Salut, ou même quand la vidéo ça, je dis à nous, c'est Peter Charles. Je dis à nous, commencer avec la quatrième vidéo de série Photographie en créole. Une série de vidéos où on a parlé de basique photographie, une façon pour nous aider tout le monde qui décide d'entrer dans le domaine ça, qui c'est photographie ou vidéo. Série de vidéos ça n'est pas basé sur une série de vidéos qui commence de 1 à 100. C'est une série qui, dans chaque vidéo, on a parlé d'un thème qui vient ouais, avec photographie. Et pour commencer la vidéo ça, on profite de dire merci à tout le monde qui était là dans la première, deuxième et troisième vidéo. Je dis à ce quatrième là. Et si toutefois, vous pouvez regarder ni première, ni deuxième, ni troisième, je vais vous inviter à passer regarder avant. Ou pas perdre aucun détail. En même temps, je t'invite à suivre nous et activer cette cloche là pour YouTube qu'on mette au courant de toutes nouvelles vidéos que nous mettons sur channel là. Je ne veux dire une pire question que la majorité de nous qui a commencé dans le monde audiovisuel là toujours chercher un monde qui est plus professionnel pour y poser. C'est qui modèle ou qui marque caméra que vous êtes supposé acheter pour commencer. Si vous faites partie de une monde ça, vidéo ça c'est pour. Actuellement, grand pile jeune qui veut commencer dans le mouvement audiovisuel là qui se fait vidéo, qui se fait série, qui se fait podcast. Je dis à réponse que m'cabaye tout monde qui gagne tout ça dans tête yo, c'est éducation. C'est vrai qu'une bonne caméra actualisée a bon toute bonne qualité qu'il a besoin. Mais ça qui est plus important, c'est vous-même qui parlez derrière la caméra. Si vous voulez entrer dans le monde audiovisuel là, à tout cœur, je vais tout faire connaître. Son monde qui m'a dit investigation sans fin. En même temps, l'âge a monté, technologie a pas actualisé, c'est même gens pour actualiser ses voix tout. Quand pile bagaille cap sorti, quand pile nouveau chose cap sorti, faut qu'on apprenne qui gens ou utiliser. Et pour solutionner problème ça, aider ou même cap entrer dans le monde audiovisuel là, m'a lancé une série de vidéos côté m'a parlé de basique photographie. Non pas c'est Peter Charles, je n'ai pas DJPB Studio et ça c'est photographie en créole. J'aime te dire dans le commencement de la vidéo, ça c'est la quatrième vidéo de la série ça qui c'est photographie en créole. Dans la première, côté, nous avons parlé de triangle exposition, deuxième de plan photographique et dans la troisième vidéo, nous avons parlé d'équipement photographique. C'est une série d'équipements qui ont besoin le moment que j'ai décidé d'entrer dans le domaine ça qui c'est photographie ou vidéo. Pour qui ça, je vais parler de je dis photographie ou vidéo. Dans la vidéo, basiquement, c'est une série de photographies qui empilent ensemble pour faire chaque seconde de vidéo que vous regardez. Par exemple, je vais camper là pour bouger de ça de là à là. Caméra qui prend 24 photos pour un seconde. C'est là qu'il y a un avec FPS. Si vous avez ça qui est FPS, sur ce channel, j'ai une vidéo tout court côté de parler des FPS. Et pour m'expliquer au plus de questions ça fonctionne, on peut passer un petit exemple. Ça. Ou changer leur télécole ou te faire une équipe de dessiner un feuille de que vous avez dessiné, leur passer feuille de cahier ensemble et pour être gentil, ton temps va bouger. Ça, nous avons traduit comme FPS. Dans chaque mouvement, caméra prend photo, l'irine appelé tout ça qui vient créer un mouvement. Par exemple, si on a filmé à 24 fps, durant 1 seconde, la caméra prend 24 photos. Si on a filmé par 60, dans 1 seconde, la caméra fait 60 photos. Si on a filmé à 120, dans 1 seconde, la caméra fait 120 photos. Et 120 photos, ça a lié en pile, ça dépend de quantité de photos, mouvement plus soir. Autant que FPS a plus haut, mouvement paraît tout déjà plus irréel. Pour que ça soit obligé d'utiliser un FPS haut, par exemple, 120. 120, on peut utiliser un FPS 120 si vous pouvez utiliser l'image ça. Pour faire image ça dans jambe de cadil caméra là si on simplement vidéo tutoriel côté moi pas parler face à face avec caméra c'est normal pour utiliser un FPS 24 ou 30 comme nous finissons partie ça qui c'était pour un tirer trois alimentation de ça qui était passé déjà dans vidéo ça je dirais nous pas parler de un bagage qui vraiment important dans moment que besoin exposer une image bien pour ça nous allons tourner dans première vidéo à côté de parler de triangle d'exposition dans triangle d'exposition côté m'a expliqué qui j'ai pour nous utiliser ISO, vitesse d'obturation avec diaphragme parfaitement. Là, vous combinez tous les paramètres ça pour avoir une image parfaite. Quand il y a un autre facteur qui vient mettre pied, qui vient cause que vous n'avez pas qu'à filmer, normalement, j'ai décidé de filmer. Imaginez, vous filmez une vidéo à l'heure libre vers midi. Soleil a monté, descend, monté, descend. C'est un moment qui est vraiment compliqué. En premier, son interview. Ça veut dire son monde qui va parler. Configurez la caméra 24 fps, ISO 125, diaphragme 2.8. De façon pour éléments qui n'ont pas fond, pas entrer trop dans celle-là. Et puis, boum! Top illumination. Ou pas faire un diaphragme pour trois éléments qui n'a pas pour entrer dans l'image là. Deux, ou pas monter FPS pour l'image qui apparaît quand il y a un pire réel. Trois, ou pas descendre soit parce que l'issue de base là c'est 100 ou 125. En même temps, ou pas monter parce que son modèle là pour plus d'illumination. C'est là, accessoire ça, que le moteur là entre en action. Qui c'est filter ND. Là, nous parlons de filtres, j'ai plusieurs types de filtres. J'ai un filtre densité neutre, j'ai un filtre polarisé, j'ai un filtre infrarouge, j'ai un filtre ultraviolet, j'ai un filtre de couleur, j'ai un filtre dégradant de densité neutre, j'ai un filtre d'étoile, j'ai un filtre gélatine, j'ai un filtre avec effet rétro, qui c'est un filtre qui a un effet, c'est comme si on image des anciennes caméras. Mais des filtres dans la base de vidéo, ça je dis, c'est ce filtre ça que nous avons actuellement là, qui c'est filtre ND ou filtre de densité neutre. Qui avantage filtre ça gagne? Excusez si des fois je dis filtre parce que je ne peux pas le dire en espagnol. Qui avantage filtre ça gagne? Dans filtre ça, capacité de gagner que l'autre pas gagne, c'est que si nous regardons bien après filtre ça, son filtre qui varie.
Là, je dis un filtre qui varie, c'est parce que on a changé exposition. Si nous virons ce boule qui est là, nous allons permettre plus de lumière entrer ou bien moins de lumière entrer. Il y a des situations où vous arrivez, devient presque impossible à cause de trop illumination ou bien à cause du soleil là. Vous pouvez changer les paramètres que vous avez dans la caméra. C'est là que le filtre ça entre en action. Nous allons donner un exemple tout simple. Ok, avec la caméra en main, nous lançons nos boules à filmer. Si vous suivez une image, vous regardez là, vous avez une image qui manque de qualité, vous avez une image qui manque d'information à cause de trop d'illumination qui est là-dedans. L'image que je filme en 4K, 24 fps, une vitesse de 50, une ISO 125, ou pas qu'à monter ISO là ou plus d'illumination, mais vous pouvez monter vitesse là. Mais n'oubliez pas qu'à monter vitesse là pour qu'à mettre en pratique règle ça qui c'est règle 180 degrés. Là. Parce que observe avec un FPS normal que c'est 24 photos par seconde. Ok, nous avons connu nos difficultés ça après nous fin configurer caméra nous voyons que toujours bien sur exposition ça. Qu'est-ce que nous allons faire qu'on y a? Nous allons mettre filtre. La première image ça nous filme sans filtre. On regarde des images là côté nous pas appliquer le filtre. Image ça les même configuration avec première image qui était là avant. Mais à cause moi mettre filtre et moi configurer exactement j'ai mon besoin là. Et qu'on y a moi viens comme résultat une image bien exposée. Moi filme que nous avantage gagner lors utilisation filtre. Et qu'on y a des avantages qui peuvent venir dans le filtre. Ça va dépendre des qualités de filtre que vous achetez parce qu'il y a des filtres ou un filtre de 5$ et en même temps tout cas un filtre qui vaut jusqu'à 100$ et 200$ parce que ça va dépendre des qualités cristalliques de construire. Obtenir une image anti-jean parfait ou bien une image avec manque de qualité. Nous pas dire perd de qualité drastique mais la perd une qualité quand même. Moi ça parle dans cas de vidéographie. Mais dans le cas de photographie, FPS n'a pas gagné rien. Imaginez que vous utilisez un flash et flash la casse est jusqu'à une vitesse de 200. Si vous configurez la caméra avec une vitesse de plus de 200, vous faites une photo. La photo a fait plus rapide que le moment que flash la a impacté sur le modèle. Là. Et comme ça, vous avez une image qui a une moitié éliminée et une moitié pas éliminée. Parce que la vitesse photo a fait là, il y a un petit genre de plus. Alors, pour qu'il y ait une configuration, ça pour toujours avoir une configuration qui a une limite que flash va permettre de faire photo, vous êtes obligé d'utiliser un. Filtre ND, pas oublier, nous déjà une histoire avec un niveau qui nous pas capable nous pas descendre plus, nous avons une vitesse là avec un niveau qui nous pas capable monter plus. En même temps, nous observé avec un diaphragme côté nous pas voulu qu'il y ait un pile élément dans fond apparaître. Quand nous avons une décision diaphragme qui est un petit en bas, qui vient nous trop illumination et qu'on a besoin de descendre l'illumination ça et là encore filtre ND ça li entrer en action. On va parler de FPS parce que FPS ça c'est simplement pour vidéo. OK, moi j'espère que vous comprenez l'explication ça monsieur Bolla sur filtre ça et j'espère que information ça servira en pile dans prochaine photographie et en prochaine vidéo que vous allez réaliser. Et comme ça on a fini avec vidéo ça je dis à côté de parler de filtre ND ou filtre de densité neutre, n'a pas temps dans prochaine vidéo et pas oublier non pas me c'est Peter Charles et ça c'est photographie en créole.